j'ai toujours ma belle lèvre. Je vais peut-être cacher cette misère pour que vous la voyez pas parce que c'est tellement moche de pas voir ça. On va faire ça comme ça. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes deuxième jour de visite, troisième jour en vacances. On est le 3 août et aujourd'hui on va aller voir Villa Kyrillos, villa grecque qui se trouve à Beaulieu-sur-Mer. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre des photos, des vidéos. Bon, l'extérieur je vous le prendrai, ça c'est sûr. Je ne vous promets rien concernant l'intérieur parce que c'est un endroit privé. Est-ce qu'on va avoir l'autorisation de filmer et de prendre des photos? Aucune idée. Voilà, et puis si jamais vous aimez ce petit make-up, moi je l'adore, c'est avec les nouveaux pigments que je vous ai présentés dans une de mes vidéos. Je me cache bien derrière le chapeau, mais j'espère que le son est bon. Donc je vais essayer de vous le présenter une fois rentré à la maison. Donc je vous laisse avec les belles images de Villa. À toutes. Oh, regarde comment c'est beau. Où j'abonnite ma couvée. Faut-il donc voir dans les fresques de ce vestibule une allégorie de guerre? Afin que chacun, sur le mur visible de moi, voit quelle est pour lui l'heure du travail et cette.
Voilà, la visite est terminée, on rentre. Rentre. Je cache la misère. C'était super sympa à faire. Bon, j'ai fait quelques extraits. Maintenant, il y a trop de bruit, je suis désolée. On va avancer parce que sinon, on va pas pouvoir parler. C'était sympa. C'est pas immense, hein, mais c'est bien sympathique. Pour les chômeurs, c'est gratuit. Et tarif plein adulte, c'est 11,50€, c'est ça? Et après, les enfants, je crois, et les tarifs réduits, c'est 6€, un truc comme ça. Voilà, donc je vous conseille vivement à faire. C'est un très très joli endroit, peu commun. Voilà, à plus, à la prochaine. Une petite précision, j'ai oublié de vous dire que Kyrillos veut dire hirondelle de mer. C'est beau ça. Salut à tous, nous sommes le 4 août et aujourd'hui nous avons décidé d'aller visiter le musée de Fernand Léger, d'un peintre, il me semble, qui fait de l'art abstrait, qui faisait de l'art abstrait, et que je connaissais par mes cours de stylisme que j'ai eu en Ukraine. Et donc on a décidé d'aller le voir tout simplement parce que c'est pas très loin, c'est à Biot. Biot, je sais pas comment on dit exactement. Et puis le problème, bon, là je suis en train de cacher la misère, donc pensez pas que je suis en train de vous montrer les ongles. Et en plus il fait moche, donc du coup ça tombe bien, on va pouvoir passer à l'abri, comme ça on sera couvert et on aura des beaux, de belles choses à voir, je pense, et je pense que je pourrais vous montrer quelque chose. Donc je vais voir ce qui est dans mon possible, je vais filmer et je vous ferai un petit topo comme à chaque fin de notre visite. Donc à tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Je tiens mon téléphone et mon téléphone. Et ma carte. Et le parapluie. Je tiens tout, quoi. Voilà. On entend quand même les... C'est bien. Oui. Et les vivants. C'est beau. Hein, c'est beau comme ça. Et maintenant, c'est la verrerie de Biot. Voilà, nous y sommes. C'est sympa tout ça. Allons voir.
c'est drôle ça. Alors, on a visité... Qu'est-ce qu'on a déjà visité ? Musée de Fernand Léger, c'était super sympathique, je le connais depuis voilà mon enfance, on va dire. Enfin, je le connais. Après, je vais me poser là, ça va être plus simple. Voilà, ça va être plus simple comme ça. Bon, je suis toute rouge parce qu'il fait chaud. Donc ça, c'était super sympathique. Après, on est parti voir la verrerie. Bah, elle était gratuite, donc on est passé voir. Il y avait un peu de souffleur d'eau vert que vous allez voir, qui fabriquait des pichets. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais bon, j'ai filmé comme j'ai pu. Et ensuite, il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Bah, il y avait plein d'expos que j'avais pas le droit de filmer. J'essaie de fermer la misère. Et du coup, bah, j'ai filmé ce que j'ai pu, mais en tout cas, musée de Fernand Léger, c'était sympathique. Et juste, il faut savoir que on vous donne pas d'audio guide ni de casque. Et du coup, vous devez tout faire avec votre téléphone portable, c'est-à-dire scanner les QR codes et tout faire tout seul. Mais ça, ça vous permet au moins de connaître un petit peu plus les tableaux, etc. Enfin, les peintures, sinon vous ne comprenez pas trop ce qui se passe parce que c'est de l'art abstrait. Il faut savoir déchiffrer un peu. Voilà, mais à part ça, on a bien aimé. Les expos de Verri, c'était vraiment super joli. Voilà, j'ai été rentrée. C'est super sympa. Donc là... Alors maintenant, on va rentrer à la maison. Je pense que... Je sais pas, peut-être que demain, je vous reprendrai. Je vous reprends pas quand on va au resto ou quoi, parce que ça, je pense que c'est pas très intéressant. Mais peut-être que si on va visiter autre chose, on a encore quelques petites... visite en tête. On avait une visite de zoo à Fréjus, mais je sais pas, je pense pas qu'on va le faire. On avait en tête, il y avait une chapelle, je ne sais plus où elle est, mais c'est pas bien près. Et il y avait autre chose, je sais pas, tu te rappelles pas? Bref, on fera peut-être des trucs à l'improviste comme ça, ou pas. Peut-être qu'il y aura juste des visites de village, par exemple, il y a Saint-Paul-de-Vence qui a l'air super. Donc s'il ne pleut pas un autre jour, bah, on pourra aller voir, visiter juste comme ça, faire des balades. Ça, c'est pourquoi pas aussi, te vous montrer tout ça. Voilà, donc je vous laisse et puis je vous dis ben, la prochaine fois, à un autre jour. Mon make-up qui a coulé. Vous avez pas vu ma super tenue? J'ai mis mon nouveau short. Glace, pêche melba. Bah comme quoi les plats.